Eh bien bonjour, c'est Noupi pour un nouvel épisode de Tester. Aujourd'hui, une nouvelle tête qui m'accompagne. Eh bien, c'est son camarade Rigueul. Rigueul, tout à fait. Donc, puis avec toi, qu'est-ce qu'on rigole ? Elle est très bonne celle-là. Donc aujourd'hui, une petite émission spéciale, une petite thématique. Oui, une petite thématique. On va faire sur des petits bonhommes musclés, huilés, bronzés, nul autre que des catcheurs finalement. Voilà, donc une thématique sur les jeux de catch. Et aujourd'hui, c'est Pro Wrestling, le premier jeu que nous allons tester. Donc, Pro Wrestling sorti en 1986, l'un des premiers, si ce n'est le premier jeu de catch sur NES. Exactement. Alors, c'est le premier jeu qui nous a initié à ce sport-spectacle qu'est le catch. Tout à fait. Passion qui ne nous a pas quitté depuis. Donc, on va regarder un petit peu les personnages sélectionnables. Qui ne sont que des personnages inventés. Oui, tout à fait. Ils n'existent pas en vrai. Donc, il y a le Fighter Hayabusa, King Kong Karn. Ah, l'Asiatique en furie. Giant Panther, j'allais dire King Panther. Non, c'est Giant Panther, tout à fait. J'ai Amazon, bon là, on a un mutant. Oui, celui-là, on se demande d'où il sort. Peut-être d'Amazonie, je sais pas. Sûrement. Moitié piranha. King Slender, le beau gosse. Ah oui, le beau gosse. Il y a toujours un beau gosse. Et le tien, donc Starman, le lutteur mexicain. Oui, je peux te le laisser à la rigueur, parce que je sais que tu es très attiré par le rose. Donc. Moi je vais prendre Starman. Moi, en bon combattant, je vais me prendre un old school Fighter Hayabusa. Fighter Hayabusa, c'est parti. Et voilà, d'entrée, vous voyez, c'est très très NES. Ouais, graphiquement, on reconnaît bien le grain de la NES. Est-ce qu'on peut... Pour un premier jeu de catch, Pro Wrestling, c'était quand même pas mal pour l'époque. Oui, tout à fait. Oui. Mais bon, de toute façon, il fallait pas s'attendre à grand-chose. Je dirais même qu'ils s'en tirent bien par rapport à des jeux qui sont ressortis juste après. Ouais. Donc voilà, vous voyez, c'est assez basique. Au niveau du maniement, y a deux touches sur NES. Donc là, on peut faire soit des coups de poing... Des coups de pied. Ou des coups d'espèce de coups de pied sautés. Oui, regardez, hop. On peut courir en faisant deux touches, en appuyant deux fois sur la touche gauche ou droite. Voilà, donc pour l'instant le combat est assez... on se jauge quelque part, on fait quelques petites figures. C'est un des seuls jeux sur NES où l'arbitre apparaît. Et... C'est très très rare. Bon là on peut pas le frapper comme dans les jeux de catch actuels, mais au moins il apparaît, c'est pas mal. Et il se place toujours de façon à pas nous gêner, vous voyez. Exactement. Donc on va montrer peut-être un peu près les prises. Quand on se rapproche, on rentre en contact, ce qu'on appelle le contact au catch. Et ensuite voilà, on appuie sur les touches pour faire des prises. Et voilà, c'est le seul d'ailleurs lutteur qui a une panoplie de mouvements très étoffés. Hein. Ouais, bien vu, Starman pour ça est bon. Et donc pour faire les prises, c'est tout simple, c'est une pression vers le bas avec une touche, une pression vers le haut avec une autre touche, et ça fera des coups différents. Et voilà. Alors là, c'est le principe du lutteur fatigué ou pas fatigué. Je fais une grosse prise, le lutteur en face n'est pas fatigué, donc ça se retourne contre moi. Voilà, alors s'il m'avait fait cette prise-là alors que mon personnage avait subi des dégâts, ça a peut-être passé. Et tout à fait. Et voilà, donc ça c'est les prises basiques. Donc tous les lutteurs ont cette prise-là. Voilà, là je suis en train de faire une projection. Et là on s'est percuté. On s'est rentré dedans. Très réaliste pour ça d'ailleurs. Hein. Ouais. Là, je t'ai fait le fameux marteau mexicain que les fans ont dû reconnaître. Et ça, c'est que Starman qui a ce mouvement-là. Alors, un tombé, bien sûr, il faut appuyer comme un fou pour se dégager. Ça, c'est le principe qui s'arrête. Vous voyez, je refais la même bêtise. Il me projette, il est sans pitié Starman là, il est sans pitié. Et là on a entendu un petit doulou doulou douloum qui veut dire que tu arrives à la moitié de ta vie. Ah, donc il va falloir que je joue très serré. Et du moment où on entend ce petit signal, les prises que tu voulais faire tout à l'heure comme la souplesse peuvent passer. Avant ce signal là ça ne passe pas. Là j'ai voulu te faire le coup de genou sauté mais ça a loupé. Quel match en tout cas, hein. En tout cas bien meilleur que ceux de la WWE, hein. Ça on peut le dire. Hein. Donc bien sûr on peut monter sur les cordes et tenter des prises aériennes, je me suis loupé, j'ai pris des dégâts. Et voilà, je veux te couvrir. Petit truc sympa, c'est qu'on peut sortir du ring, enfin on peut sortir, faut que l'adversaire te projette. Et on peut se battre à l'extérieur du ring. Ah vous voyez, là je viens de faire un mouvement de je sais pas quoi là. Je vais peut-être essayer de te projeter... Marteau pilon. En dehors du ring, attends. Alors oui, projette-moi. Je vais essayer. Fais-moi mal. Voilà, je l'ai enfourché et je l'ai jeté en dehors du ring et là on peut sauter, je crois, voilà, ça c'était vraiment exceptionnel pour l'époque. On peut voir la foule. Ah oui, la foule en délire, hein. En délire. On le voit très bien, hein. On voit que pour remonter, il faut forcément remonter par le bas. Ah oui, vous voyez, moi j'ai trop l'habitude des nouveaux jeux, là. C'était forcément par le bas. Et donc, que dire d'autre, il n'y a pas de prise de finition. Contrairement aux jeux plus récents où chacun a sa prise de finition, là non, il y a des prises spéciales mais pas de prise de finition. T'as tenté un espèce de kick. Oui, mais là, ça n'a pas marché. Oh, je dois dire, assez agréable quand même.
D'ailleurs, un lutteur s'est un peu inspiré de ce jeu pour ses t-shirts. Hein. Je ne nommerai pas. Ouais, si, le t-shirt, on va le dire, de John Cena qui reprend les graphismes exactement. De Pro Wrestling. C'est un bon petit clin d'œil qu'il avait fait quand même. Je vais retenter un saut du haut. Et bah voilà. Donc là, c'est des petits problèmes de collision. J'étais bien dessus, mais j'ai atterri sur le sol. Ah, et voilà encore une collision. Heureusement que j'affronte un lutteur amateur, le match est assez simple, sinon j'aurais eu du mal. Ah oui, et ben voilà. Tu m'as donné une bonne trop d'excès de confiance, et voilà ce qui arrive. Donc là, ils ont mis des commentateurs, on voit en arrière, mais par contre, il n'y a pas de commentaires. Ah non, du tout. Que par ça, contre, c'est... une musique un peu en boucle, là. Ouais, et je crois que c'est la seule musique des combats. Oui. Elle fait un peu mal aux oreilles, effectivement. Un truc qui est sympa, c'est que l'arbitre n'a qu'un œil. Ah non, quand il se tourne, quand il est en bas, regarde, voilà, il a plus qu'un œil. Oui, c'est l'effet perspective de la NES, hein. Un petit truc qui est sympathique. Ah là, voilà, là, la prise que tu as voulu me donner tout à l'heure que je ne pouvais pas faire, moi j'ai pu la faire car ton personnage est fatigué et le mien est débile vu qu'il saute dans le vide. Mais bon, c'est vrai que c'est un jeu sur lequel on a beaucoup joué, qui était assez fun. Voilà, pour un jeu de l'époque, c'était pas trop mal. Alors le principe, évidemment, c'était d'arriver le plus loin possible. On affrontait pendant, je ne sais plus, 3 rounds les mêmes lutteurs en boucle. Pour arriver finalement au chef et finir le jeu. Le chef qui est un perso spécial qu'on ne peut pas sélectionner dans le jeu, qui s'appelait, je crois, c'était King Panther ou King Puma, quelque chose comme ça. Ah, c'est oui, c'était Puma, il me semble. Et on ne peut pas sélectionner, on peut ne voir que si on l'affronte dans le jeu. En tout cas, j'ai l'impression que notre match restera pas dans les annales. Donc nous voilà sur un nouveau combat, donc on en a choisi de montrer deux autres personnages. Alors moi j'ai craqué pour l'Amazon, là, l'espèce de tête de piranha. Et moi pour le beau gosse, tout bronzé, tout huilé. Donc là, vous voyez, il y a d'autres mouvements. Voilà, là, j'ai mis un coup de tête qui n'était pas possible avec d'autres personnages. Donc c'est le coup spécial. Moi, je te mords carrément la tête. Je te fais un shampoing amazonien. Exactement. Donc ça, c'est sympa. Voilà. Enfin, plusieurs. 2-3 mouvements spéciaux par personnage. Chose qu'il n'y aura pas dans tous les jeunesses. Plusieurs jeunesses retrouveront vraiment chaque gameplay sera l'identique pour chaque personnage. Là, il y a un petit truc qui est sympa. D'ailleurs, vous verrez plus tard que ce jeu n'a rien à envier vraiment à une. Enfin, il y a eu une grosse période de vide au niveau des jeux de catch. De jeux de catch. Et voilà, là, c'est le shampoing. Voilà, une nouvelle prise. Voilà, on voit que notre ami est abonné chez Ric Flair. Ah. Donc là, je te fais une prise qui est assez bizarre. Je crois que je te mets la main dans le visage, les doigts dans les yeux. Je crois que c'est le claw. Peut-être. La fameuse prise de chair au Texas Tornado. C'est possible. Et donc voilà, comme on l'a dit, c'est quoi? C'est 3 prises par perso à peu près. Voilà, donc là, ça s'est retourné contre toi. Pas une petite animation qu'il n'y a pas dans les autres jeux, c'est qu'on voit un caméraman en bas de l'écran. Ah oui, tout à fait. Et ça, on l'enverra sur aucun jeu, je crois, de mémoire. Et c'est sympathique, ça, ce petit... C'est des petits détails comme ça qui rendent le jeu sympathique, voire plus sympathique que d'autres, d'ailleurs. Seul vrai défaut qu'on peut lui donner, c'est quand même un peu raide, au niveau des mouvements. Et la musique, il ne change pas. Bon, et bien sûr, c'est limité, c'est une NES, hein, faut pas oublier, deux ouais, boutons. Non, mais ça, pour le gameplay, je m'en voudrais pas. Je trouve ça pas mal, pour la NES, c'est pas mal du tout pour le gameplay. Donc toi, si tu repasses dans le contexte, combien tu lui mets à ce petit Pro Wrestling? Oh bah, moi, je vais lui mettre un 13. Un 13 sur 20? Ouais. Ouais, moi j'ai hésité entre 13 et 14, bah je vais te suivre sur un 13. Non, je vais pas te suivre, tiens, 14. Je vais lui mettre 14, parce que oui. C'est un premier jeu et c'est pas mal. Oui, c'est vrai. C'est un premier jeu, c'est pas mal. Bon, si je perds, je vais mettre un 12. Hein. Donc on va peut-être montrer les jeux qui suivront. Mais bon, ce petit Pro Wrestling à tester par curiosité pour les fans de jeux vidéo et de catch surtout. Donc de retour avec un nouveau jeu. Alors Acclaim présente, Acclaim qui a fait beaucoup de jeux de catch. Ouais, de qualité passable. Oui. Donc alors, là on attaque sur la grosse licence. Voilà, bigger, better, badder. Plus gros, meilleur et puis plus mauvais. C'est la WWF. Voilà. On a vu un petit graphique de la star de l'époque. De Hulk Hogan. D'ailleurs ce jeu est fait pour lui hein, d'ailleurs. Hein. Un peu. On verra que c'est vraiment la star. Donc là ce jeu là est sorti un peu après... À peu près Pro Wrestling en 1988, donc 2 ans après Pro Wrestling. Donc là, vous voyez qu'on peut jouer jusqu'à 6 joueurs peuvent s'affronter au cours d'un tournoi. Voilà, plusieurs tours, on n'est pas obligé de s'affronter tout de suite. Non, donc là, nous on va jouer à 2. On va jouer à 2, on va là, faire on un, va petit un peu le roster. Alors, pléthore de lutteurs, puisqu'ils sont au nombre hallucinant de 6.
Alors voici le jobber de ce jeu, Ted DiBiase. C'est le personnage le plus faible. Ouais, il n'a pas de coups, il n'a pas d'endurance, il n'a pas de force. Exactement, et vous verrez qu'il est assez chiant à jouer contre lui. Par contre, ce qui est sympa, bah voilà, ils vous mettent les poids, ils vous mettent la taille, et son manager de l'époque. Qui était Virgile. Ouais. Ah, ça c'est un... Quand le jeu est sorti, il n'était plus à la Fédération, donc on se demandait qui il était. Et c'est Bam Bam Bigelow, maintenant on le connaît très très bien. Ouais, c'est un très bon personnage dans le jeu. C'est mon préféré d'ailleurs. Ah, le Honky Tonk Man, sa musique elle me fait délirer là. Un de tes lutteurs préférés. Ah oui, ça c'est tout un champion, d'ailleurs le meilleur champion. Par contre, ils ont fait une drôle de tête, il a une tête de pervers. Oui, c'est un mélange de Elvis Presley qui a mangé trop de Doritos, ah. Là c'est vraiment... Ah, Macho Man. Alors lui, c'est pas mon meilleur perso au niveau du jeu, mais au niveau des lutteurs lui-même, c'est un de mes préférés. Ouais. Ah, notre DD national, André le Géant. André le Géant, donc dévastateur dans le jeu au niveau de ses coups de pied. Il fatigue très vite, par contre. Et bien sûr. Et voilà, le super-héros, Hulk Hogan, excusez-moi. Puis c'était le John Cena de l'époque. Et c'est le personnage le plus fort. Ouais, on peut dire ça. Donc moi, je vais tenter... Ah bah allez, je vais prendre Hogan. Allez, prends Hogan. Mon idole de jeunesse. Donc moi, je vais prendre Bam Bam. C'est parti. Donc là, j'affronte pour ouvrir. Et ben, t'affrontes le plus faible, vraiment le jobber du jeu. Tout à fait. Donc jobber, pour ceux qui connaissent pas le terme, qui ne regardent pas le catch, c'est des faire-valoir en fait. Voilà, c'est des lutteurs qui justement sont là pour mettre en valeur les plus forts. Là, bon, c'est sorti 2 ans après Pro Wrestling, mais je trouve qu'on est revenu pas mal en arrière niveau réalisation. Oui. Déjà, il n'y a pas de public, il n'y a plus d'arbitre, et il y a peu de mouvements spéciaux. Bah, il n'y a pas de mouvements spéciaux, même pratiquement. Non, par contre, on a vu que Hulk Hogan pouvait monter sur la corde. Mais bon, ça reste un jeu vidéo. Voilà, tout à fait, c'est assez bizarre quand même. Peut-être dans sa jeunesse faisait-il ça. Donc au niveau du gameplay, c'est très limité, c'est coup de poing, coup de pied, et enfourchement en appuyant sur les deux touches en même temps. Pour un coup de coude. Bien, voilà. C'est souvent un coup très sournois ça d'ailleurs. Par contre là on voit un petit dollar qui se trimballe, c'est des power-up qui apparaissent aléatoirement. Oui. Qui nous rendent de la vie. C'est une petite face aussi qu'ils ont rajouté, donc là c'est que pour DiBiase. Ah, il a dû acheter l'arbitre. Hein. Je pense, oui. Ah voilà, j'ai réussi à soulever. Ça c'est une des seules prises spéciales que tous les lutteurs n'ont pas cette prise là. DiBiase par exemple ne l'a pas. Non, DiBiase ne peut rien faire dans le jeu si ce n'est se faire allumer. Alors par contre, vous voyez là, les coups fatiguent. Notre cher Hogan qui a dominé le match, il a une... Ma barre d'énergie qui est tombée. Oui, voilà. Par contre là tu as eu de la chance parce que je disais que DiBiase était chiant à jouer, voilà, victoire, parce que souvent il se sauve. Non mais c'est quand même, ouais. Il a pas eu peur de moi mais ça l'a perdu. Donc là voilà, well done le vainqueur, Loupi. Donc voilà, monsieur de Bam Bam Bigelow, le regretté. Donc là notez pareil qu'il y a... Qui fait la roue. Voilà, ça c'est un très bon coup du jeu et un des seuls coups spéciaux qui existent dans ce jeu. Sinon voilà, c'est des coups de pied sautés comme l'ont fait Honky Tonk Man. Alors Honky Tonk Man est assez sournois puisqu'il attend de se mettre derrière pour mettre un coup de coude. Donc par contre niveau graphique je trouve ça quand même au-dessus de Pro Wrestling. Oui. Niveau des personnages, de l'animation des personnages, c'est un cran au-dessus. Mais il n'y a pas de public, je trouve ça un peu dommage, pas d'arbitre. Alors ces musiques par contre, vous entendez celle du Honky Tonk Man. Sympa. Moi j'aime bien, ouais. Le fait de mettre les musiques des personnages dans le jeu comme ça, c'est pas mal du tout. Donc là, Honky Tonk Man, t'as mis un coup de cheveux, un coup de banane. Donc là, Bam Bam Bigelow qui a du mal. Il faut dire que... Il y a certains personnages qui visiblement sont plus forts que d'autres. Non, le Honky Tonk Man est dur à jouer. Oui. Mais en plus, ajoutons ça au fait que tu sois mauvais, donc c'est vrai que... Ah oui, mais ça, on peut pas faire grand-chose. Hein. J'ai essayé, mais je crois qu'on n'y arrive pas. Donc là, on voit Bam Bam qui clignote de tous les sens, ce qui veut dire qu'il se fait allumer. Ça veut dire qu'il se met surtout en colère et qu'au moindre coup, voilà, hop, on fait tomber le monsieur. Directement. Exactement. Mais dominer n'est pas gagné, hein. Non, sachant que quand tu ne te fais pas taper, ton énergie peut remonter. Au niveau gameplay, est-ce que pour toi c'est supérieur à Pro Wrestling? Non, pas vraiment, c'est pas... C'est très raide, c'est encore plus raide que sur Pro Wrestling, je trouve. Bah oui, disons que c'est... 2-3 coups par perso, ça fait vraiment léger.
on a du mal à préparer ses coups, hein, par les coups de pied et les coups de poing. Et c'est pareil, on a l'impression que l'ordinateur fait n'importe quoi. Regardez-le, il va à droite, à gauche, il se barre, il monte, il fait n'importe quoi pour moi. Vous passez votre temps à courir après, ah, et dès que vous le rattrapez, c'est vous qui vous faites allumer. Voilà, c'est très spécial à jouer contre l'ordinateur. Donc là, à mon avis, si le temps limite est de 3 minutes, parce qu'il y a un temps limite, tu auras un match nul. Mais s'il est de 5 minutes, à mon avis, tu l'auras pas. Mais comme on dit, Honky Tonk Man est quelqu'un de très... Et puis, bon, évidemment, je n'ai pas eu un seul symbole, ni lui, ni moi. Non, effectivement, il n'y a eu aucun symbole de récupération. Bon, sinon, on peut très bien bourriner. Ouais, mais contre Honky Tonk Man, c'est pas la bonne technique. Normalement, pour Honky Tonk Man, la meilleure technique, c'est de grimper sur les cordes et de l'attaquer, mais vu que tu ne peux pas le faire, je crois que ton destin est scellé. Ah. Non. Donc là, il pourrait couvrir, mais il a préféré se barrer. Je crois que ça y est. Et ah. Il m'a battu, en fait, sans me couvrir. Ouais, c'est... C'est assez spécial. Ça doit être une spéculation un peu particulière. Où le temps est arrivé à 3 minutes et il a gagné au point de vie. Ah là, bon, bah André le géant ne laisse pas respirer, c'est lui le boss. Donc là, encore une fois, ça va être très dur pour toi. Ah, je crois, ouais, là. Ah, tu as réussi à le faire tomber, parce que c'est ne pas choisir du temps, on a que ce coup de pied là. Ah voilà, là c'est ma phase où je peux rien finalement. Où tu as pu reprendre espoir, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc voilà, un truc qui est pas trop mal fait aussi, c'est que voilà, André le géant du haut de ses 200 kg ne peut pas faire de saut chassé, il ne peut pas monter sur les cordes, c'est que des coups de poing, des coups de pied. Ça, c'est pas le faire. Oula, mais dis donc, c'est que tu... C'est-à-dire qu'André le géant est aussi un personnage qui fatigue assez vite. Ah, c'est l'avantage. Par contre, là, il s'énerve. Alors là, je vais essayer de prendre mon symbole qui est le feu, mais il court pas assez vite sur cette fois-ci. Attendez, on va peut-être avoir une victoire de Riegel. Je suis très content, là, j'ai fait la roue, mais je me suis encore fait... c'est très sympa ce mouvement, mais finalement, ça n'aboutit pratiquement jamais à rien. Faut avoir un bon timing, vraiment un timing parfait. Et alors là, attendez. On reprend le dessus. Donc ouais, comme on peut le revoir encore une fois, au niveau des prises, c'est très très limité. Il faut user du même mouvement qu'on a encore, encore et encore. Donc là, André qui est KO. Oh, attention! Et sur le fil! Victoire de Riegel! Alors là, vous avez vu un truc que moi, je n'avais jamais vu. Riegel qui gagne un combat! Eh oui, c'est comme tout jobber, finalement, on finit par gagner. Bon, on va peut-être s'arrêter là au niveau de ce jeu-là. Oui, on va s'arrêter. De toute façon, je pense qu'on est mal barré. Hein. Ouais, bon, inférieur à Pro Wrestling. Oui. Soit graphiquement, peut-être un peu au-dessus au niveau de l'animation des personnages, mais sinon, tout est en dessous. Donc moi, par pure nostalgie, parce que c'est un jeu sur lequel on a énormément joué, je vais mettre un 12. 12, on avait mis un 14 à Pro Wrestling. Et moi, un 13. Et un 13, ouais. Donc moi, tu vois, je vais mettre 11 à celui-là. Voilà, donc... 11 à celui-là, je vais être un peu plus sévère que toi. Mais c'est sympa à jouer une ou deux fois, mais je préfère Pro Wrestling. Ouais. Allez, prochain jeu. Donc là, on va se retrouver avec un jeu édité par Tecmo. Oui, Tecmo, c'est toute une série de jeux en fait, et là c'est un spécial comme on fait aujourd'hui. Pro Wrestling. Pro Wrestling. Tecmo World Wrestling, un jeu sorti en 90. Voilà, donc c'est sorti 2 ans après WrestleMania. Et en 2 ans, le chemin a été énorme. Oui, et comme quoi la licence c'est pas le jeu. Hein. Non, donc là voilà, toujours des persos inventés, mais on en reconnaît. Enfin. Oui, c'est un peu inspiré. Hein. C'est un peu inspiré, c'est tout à fait. Là, on peut reconnaître le Road Warrior animal. Oui, c'est même peut-être le barbare aussi. Peut-être le barbare. Oui, sa période Power of Pain. Le tien, on pourrait croire, bah, Tiger Mask. Tout oui, simplement. Tiger Mask, le légendaire Tiger Mask. Alors là, c'est Harley Race. Ouais, parce qu'il ressemble pas mal à Harley Race. Bon, là, c'est du Hulk Hogan au niveau de la tête. Ah, Hogan ou. Ou Superstar Billy Graham. Oui, Billy Graham, moi je dirais ouais. Plus. Là, on a peut-être un Kerry Von Erich. Enfin, voilà, ça ressemble un petit peu à des persos. Là, on a même la tête de Thierry Beccaro. Donc, là, c'est très bien. C'est Télématin. Il est très, très bien. C'est impeccable. Ça lui ressemble beaucoup. Pas mal, le même pas sourire. Mal. Et le dernier, là, ça pourrait être Tokyo... non, pas Tokyo McDo, mais Magnum T.A. Oui. Bon, bah, ce coup-là, moi, je vais prendre qui? Oh, bah, moi, j'ai un faible pour Thierry Beccaro. Vous comprendrez que... Allez, moi, je vais tenter. Je regarde Télématin tous les matins et c'est vrai que c'est... Tiger Mask pour moi. Et bon, allez. Et Thierry Beccaro pour toi. Voilà, c'est A Dragon. Je sais pas ce que veut dire le A. Albert, je ne sais pas.
Donc là, une grosse nouveauté par rapport aux autres, c'est qu'on a des commentaires. Oui. Bon, ils sont pas audio, bien sûr, parce qu'on est sur NES, ça serait dégueulasse au niveau du son, mais c'est des commentaires écrits. Ce qui est pas mal du tout. Là, on a retrouvé de la foule qu'on avait pu sur WrestleMania. Ouais, un peu dissipée, la foule. Hein. Ouais, bah, c'est la mieux faite pour le moment. Oui, c'est oui. Pour Wrestling. Et donc là, sur ce jeu, qui est pour moi le meilleur sur Nintendo au niveau du catch, on a des mouvements vraiment très bien faits et très nombreux. Oui. Voilà, là, des voilà. Prises de soumission. Par exemple, je vais donner la prise en 4, une prise en 4 qu'on ne verra dans aucun autre jeu sur, sur NES. Voilà, si vous l'avez. Voilà, c'est donc, toi qui m'as donné la prise, ce coup-là. Ah, chose assez bizarre, c'est que c'est moi qui me retrouve à terre. Ouais. Ah là, super souplesse. Ah, une souplesse arrière. Et un tombé. Là, l'arbitre, on le voit, mais on le voit uniquement que lorsque... que lorsqu'il y a un, comment dire, un tombé. Un tombé, ouais. Donc voilà, pareil, on voit le commentateur qui a donné le nom de la prise. Là, pareil, un backdrop, c'est bien ça. Les des prises sont respectées. Un pal driver. Donc au niveau des coups, c'est vraiment pas mal du tout. Un surpassement. Donc voyez le nombre de coups qu'il y a quand même, c'est vraiment pas mal du tout. Bien sûr, on peut monter sur les cordes, mais c'est pas très bien fait. Oula, je t'ai mis à terre d'une droite. Ah. Toi aussi le marteau pilon. Et à noter, je sais pas si on pourra le montrer, mais il y a des espèces de petites cinématiques pendant les finishings. Oui, assez sympathique d'ailleurs. Ouais, pour de la NES, c'est vraiment pas mal du tout. Alors voilà, vous voyez. Oh là là. J'ai réussi avec le pont, car on peut maintenir ses prises pour un tombé. En tout cas, à noter cette prise-là, Ric Flair n'a même pas réussi à la faire en, je sais pas, 30 ans de carrière. Il a pas réussi à sauter. Vous voyez, j'ai fait cet exploit. En fait, tu as réussi. Oui. Donc là, le seul vraiment vrai défaut de ce jeu, je trouve, c'est le même défaut que sur Pro Wrestling, c'est la musique. Ah oui, ça. Et on n'a même pas la possibilité de la couper. Non. Ce qui est fort dommage. Bon, après, elle est pas dégueu, mais voilà, tout le long du jeu, c'est long d'avoir tout le temps la même musique. J'aimerais pouvoir montrer par la suite. Oh là, on s'est rentré dedans encore une fois, un peu à la façon de Pro Wrestling. Graphiquement, c'est un Pro Wrestling version améliorée. Oui. Je trouve. Ah ouais, regardez. Voilà la cinématique. Moi pas, c'est pas extraordinaire pour la Nintendo. Franchement. Ça, on doit avouer que c'était vraiment le. Ça remontait un peu la moyenne des jeux là. Ouais. Quand on voyait celui qu'on a testé un peu avant. Et donc là, a priori. Ah voilà. Ah, j'ai pas réussi à te couvrir par contre. Mais une prise en 4, ça sera suffisant, je pense. Ouais, a priori, ah non, même pas. Ah, et voilà. Et à savoir que chaque personnage a une animation dans ce style-là, en fin de combat. Mais ne rêvez pas, vous ne verrez pas la mienne. Donc là, sur ce jeu-là, on tombe à peu près à 5 ou 6 mouvements par personnage. Oui, c'est assez étoffé quand même. Ouais, c'est pas mal pour de la NES, plus le mouvement final qu'on a vu en espèce de scène animée. Donc on voit là 6-7 mouvements par personnage pour de la NES. D'ailleurs, il y a pas mal de personnages, je trouve, pour de la NES. Hein. Aussi, c'est ouais. C'est celui où il y a le plus. Pratiquement, ouais. Donc voilà, c'est pour ça que ce petit Tecmo Pro Wrestling, pour moi, je vais donner la note maintenant, mais pour moi, pour un jeu NES, pour un jeu de catch, il vaut son 16. Ah, moi, j'opterais pour un 15. Un 15 ? Oui, un 15, oui. Mais bon, je pencherai aussi sur le 16, mais je vais mettre 15. D'accord, donc 15 pour toi, 16 pour moi. Voilà. Allez, pour la peine, tiens, allez, je vais te battre. Allez, voilà, on va peut-être 2. Ah, les comptes sont lents. Et 3. Donc voilà le commentateur qui dit... Alors le commentateur, je sais pas qui me fait penser, mais frisé comme ça, blond... Donc là, on y va pour le mode carrière. Alors je serais... Pour moi, j'aimerais bien que tu prennes donc Thierry Beccaro. Le seul truc, c'est que le... Bon, je vais le prendre, mais je le manie pas très bien, je le dis tout de suite. Voilà, donc... On nous propose d'abord de nous entraîner. Exactement, ce qui nous permettra d'augmenter nos statistiques. Alors, il y a des squats, des sit-ups et des push-ups. On va prendre les push-ups qui sont donc des pompes. Voilà, les pompes. Donc ça, ce qu'il faudra faire, c'est tout simple. Il faudra marteler le bouton A et B. Alors moi, j'appelle pas ça un entraînement, mais de la torture. Vous voyez, un sumo... Et c'est franchement pas mal du tout, ça. Oui, alors faut vraiment appuyer. Là, vous gagnez des points de pouvoir. Voilà, et plus tu accumules de points, plus ton personnage deviendra fort. Voilà, plus on push, plus on a de pouvoir. Exactement. Et on skill bien sûr, pareil ensuite sur des combats. Et voilà, donc là le sharpshooter. Tes nouveaux mouvements, comme je dis, tous les personnages ont des mouvements aussi spécifiques à eux.
comme sur Pro Wrestling, il y a des mouvements aussi. Ah bah voilà, on peut aller à l'extérieur. Je disais que non. Et on nous a fait mentir là. Ouais, il y a un aveuglement, donc vraiment beaucoup de mouvements. Il nous a fait un petit mouvement qu'on a vu tout à l'heure à la Amazon. Oui, c'est un shampoing, comment on peut appeler ça. Bon, je vais peut-être essayer de remonter dans le ring pour pas me faire avoir comme sur Pro Wrestling tout à l'heure. Comment je remonte comme ça, ok. Allez, moi aussi je vais le faire, hop. Ah, le commentateur a... Donc à mon avis, ce jeu-là était peut-être un peu inspiré de la WCW des années 90, hein, début 90. Peut-être des japonais. Ou peut-être des japonais, tout simplement. C'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais la lutte au Japon existe aussi. Ouh là, il m'a envoyé un... Par un surpassement, il m'a éjecté, ça c'est quand même bien fait. Vous voyez que le match est quand même plus dur que contre mon petit collègue d'aujourd'hui. Oui, non, mais c'est parce qu'il faut y aller mollo, hein. Donc ouais, le jeu est quand même très plaisant à jouer. Pas trop dur, pas trop facile, beaucoup de mouvements, assez souple au niveau des commandes. Donc non, un très bon jeu sur NES au niveau du catch. Voilà. Le meilleur, je me pose la question. Oh, le meilleur, ouais, je dirais. Et pourtant, c'est peut-être le moins connu, bizarrement. Il y a tous les jeux à licence de WWF et WCW qui sont bien inférieurs. Oui, mais on va jouer un jeu de... Vous verrez que la licence WWF est font quand même quelques bons jeux. Ouais, c'est quelques... Mais très rarement. Bon, bah, on va passer au jeu suivant sur ce championnat. On prend les mêmes et on recommence. La WWF, toujours avec Acclaim. Donc cette fois-ci, le héros a changé puisque c'est plus Hulk Hogan, c'est Ultimate Warrior qui était champion là, à l'époque. Ouais. Donc là, on peut signaler différents modes de jeu. Donc contre l'ordinateur. Donc un tournoi en fait, où il faut aller le plus loin possible. Contre un ami. Et un mode de jeu par équipe. Un coopératif, oui. Et ça, c'est très bien. Oui. C'est très rare. Ça fait 4 personnages en même temps sur l'écran. C'est pas mal du tout. Oui, je crois que c'est la première fois que ça se voyait, ça, ce et genre de jeu. C'est sur 8 bits, je crois que c'est le seul. Oui, c'est ça, le seul en plus. C'est la grosse qualité du jeu. Bon, on va peut-être commencer par un petit match simple. Oui. Un petit match simple pour montrer un peu. Donc au niveau du roster, donc il y a marqué Yourself, ce n'est pas un personnage, c'est que tu t'incarnes toi-même. Voilà, exactement, c'est un petit personnage rookie. Créé. Voilà. Et pas un rouquin. Non. oui, un rouquin. Donc Macho King Randy Savage, mais c'est plus Macho Man, hein. Il est roi maintenant, donc c'est toujours dans mes préférés. L'Ultimate, un jeu qui est fait pour lui. Alors moi j'ai une petite faiblesse pour Ravishing Recruit, j'aimais bien son personnage. Et donc je vais le prendre. On l'a très rarement vu dans les jeux vidéo. Oui, on le verra un petit peu plus tard. On a Monsieur Dagen, Saint-Gilles Dagen, le Big Boss Man. Le Big Boss Man, alias le flic, André le Géant qui faisait sa dernière apparition. Et bien sûr, Hulk Hogan. Ah, j'avais oublié le plus insignifiant de tous, Brutus Beefcake. Le barbeur. Si ce n'est le barbant. Eh oui. Donc, moi je vais tenter Hulk Hogan, bien sûr. Oui, Hulk Hogan, c'est une valeur sûre pour toi. Hein. Voilà, donc on a plusieurs modes de jeu dans le mode de jeu. Ah, des oui. modes de combat, donc soit en single, c'est-à-dire en un tombé, un match normal, un match par équipe, en 2 contre 2, ou en Survivor Series 3 oui, contre 3. Une espèce de Survivor Series, oui. Donc bon, pour ça, on va se faire du 1 contre 1. Ça va saigner, prépare-toi. Alors déjà, la vue du ring a un peu changé. Par rapport au WrestleMania, on voit qu'il y a le public cette fois-ci. Ouais. Beaucoup de rouquins d'ailleurs. Hein. Aussi, ouais. Et des flashs aussi, vous voyez, on nous prend en photo. Donc ouais, on va dire que graphiquement, c'est pas le même style, mais c'est quand même mieux représenté. Voilà, puis c'est un jeu où on continue à se courir après, vous voyez, donc... Donc ouais, ça c'est un gros souci du jeu, c'est alors que... toujours les prises de base, coup de poing, coup de pied, donc là j'ai décidé de faire la sieste. Mais en parlant de prise, là encore une fois, c'est assez mauvais. Les jeux WWF n'ont pas eu de chance pour ça à cette époque, c'est qu'il y a pratiquement pas de prise. Non, c'est les coups de coude. Je crois que là par contre on a les prises de finition là. Mais elles sont prises comme des mouvements normaux en fait. Voilà, c'est des mouvements normaux qu'on fait selon la position qu'on a. Voilà, donc là vous voyez je fais la siège, je me fais allumer. Mais sinon niveau mouvement il y a quoi? Il y a l'enfourchement. L'enfourchement. Oui, on a. Et l'enfourchement. Et l'enfourchement. Mais le coup de pied et le coup de poing aussi. Hein. Voilà. Et le saut chassé. Ah oui, 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 c'est vrai que j'ai oublié qu'Hogan faisait un saut chassé, qu'il avait une aisance pour monter sur le ring. Et vous voyez là ce saut. Et à noter que, contrairement à Pro Wrestling, si on saute dans le vide de la troisième corde, il n'y a aucun, aucun dégât. Sur nos pattes, oui. Voilà, normal. Et il y a cette espèce de projection bizarre qu'on fait que tous les personnages ont aussi. Donc en gros, il y a quoi? Il y a trois mouvements que tout le monde a, oui. Plus un mouvement spécial par personnage. C'est Byzance. Et voilà, moi en brise nuque. En brise nuque de Recruit. Normalement, j'en aurais fini, mais voilà. Non, Hulk Hogan, il m'en faut plus. Oui, il est en transe, vous voyez là.
Bah, plus rien à faire, la cloche sonne. Et voilà, c'est la victoire. Et là, on a quand même les musiques des lutteurs aussi. Ouais, musique officielle des lutteurs qui en font comme sur WrestleMania 1, ils ont gardé cette qualité-là. Donc là, notez que le mode de joueur, c'est un mode où on ne peut pas changer en tapant la main de son adversaire comme au match de catch. Non. Il faut sortir du ring et votre coéquipier prendra le relais. Avec un saut à la Superman, vous allez voir ça. Par-dessus le... Vous allez voir que c'est assez bizarre venant d'André le Géant. Et on peut voir le clipping du personnage André le Géant qui arrête pas de clignoter, bah Macho Man aussi. Donc par contre, pour faire le relais... La prise du sommeil. Vous voyez le nombre de points de vie qui est ridicule. Voilà, faut appuyer sur celle-là. Ouais, regardez, André le Géant qui a sauté par-dessus. Et boum, son coup de coude, enfin son coup de tête dévastateur. Voilà, donc bon, je vais pas tirer sur l'ambulance, le mode de joueur, ils y ont pensé au moins. Oui. Il est mal fait, mais ils y ont pensé. Mais je reste surtout gentil par rapport à ce qu'on va tester un peu plus tard. Ouais. Ça reste quand même, c'est assez fun, ça peut être fun à plusieurs sur Survivor Series et compagnie. Ce qui va sauver le jeu, c'est surtout son contenu, quoi. C'est différents modes de jeu, le mode 2 joueurs, le mode 3 joueurs. C'est pas mal tout. Dommage que le gameplay soit aussi répétitif. Ouais. Mais bon, ça reste de la NES hein, quand même. C'est correct. Combien ça vaut pour toi ? Oh bah moi je lui mettrais un 13 quand même. Ah voilà, j'allais dire 13 aussi, donc ce coup là on va être d'accord. Pour moi ça vaut 13 sur 20. Je lui mets vraiment des bonnes notes pour le contenu, dommage que le reste. Donc ouais, c'est classique, c'est très sommaire, mais ça va, c'est marrant. Un 13 sur 20, ça les vaut largement. Oui. Bon, on va peut-être passer à la concurrence. Nous allons passer à la concurrence, qui n'était pas en reste d'ailleurs. Non, c'est... On reste au niveau médiocrité, non, effectivement, car le prochain jeu que nous allons tester, pour moi, est le plus mauvais. Et ça, on en parle tout de suite. On en parle tout de suite. Et voilà, donc, on vous parlait de concurrence. La WCW World Championship Wrestling. À l'époque, j'aurais dit, de quoi tu parles, là ? Ouais, tout à fait, nous ne connaissions pas. Donc, sorti en 89, et édité par Pony Canyon, un éditeur totalement inconnu. Mais ce n'est pas Ric Flair que nous voyons là ? Et si, il y a des petites intros comme ça au début de jeu. Pas mal. Ah oui. Pas mal. Bon, c'est sommaire, c'est de la NES, mais je trouve ça bien d'introduire les personnages comme ça. Spécialité Jumping Neck Breaker Drop. Ah. Pourtant, en 89. Donc, ah, super la voix qu'on a entendue. Hein. C'était. C'est de la NES. C'est de la NES. Hein. Donc là, différents modes de jeu, mais beaucoup moins que sur WrestleMania Challenge. Le single, l'équipe, donc en mode un joueur, et la même chose en mode deux joueurs. Donc on va peut-être se faire un petit match de. Et là, c'est assez marrant parce que regardez, 3 rounds. 3 rounds, oui. Voilà, il faut gagner le match 3 fois, enfin 2 fois, 2 parties gagnantes pour remporter. Ah, alors là, on voit un roster pas mal quand même. Par contre, un petit défaut, c'est que par rapport aux opus précédents, il n'y a pas la photo des. Ah non. Si tu connais pas le catch, tu sais pas quoi ressemble ton bonhomme. Exactement, donc. Je sais pas si Cass Sullivan, beaucoup de gens le connaissent. Non, par exemple, voilà, c'est Gilbert. Oui, tout à fait. Donc, S. Williams. Sting, ils peuvent croire que c'est le chanteur. Oui, oui, c'est. Donc, c'est un peu dommage. Ouais. Mais bon, pour reprendre, il y a quand même pas mal de persos. Ça fait quand même quoi? C'est 12 personnages. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Les stars de l'époque du WCW. Mais bon, après, vu la qualité du soft, on verra que c'était beaucoup trop finalement. Eh bien, moi je vais prendre Ricky Steamboat. Allez, moi j'ai un petit faible pour Monsieur Lex Luger. Donc, à noter qu'ils ont mis les deux Road Warrior, mais ils ont mis qu'un Steiner. Oui. Une petite curiosité, mais allez-y pour Lex Luger. Vas-tu gagner ? I don't know, oui. Donc là on choisit, ce qui est bien, c'est que voilà, bon, on voit sa photo, mais après avoir choisi son personnage, et on peut choisir ses mouvements. Donc à vous de choisir des mouvements qui collent à peu près avec. Avec votre personnage. Oh, je pense que c'est même très marrant d'avoir des personnages qui ne collent pas au personnage. Regardez Lex Luger, on dirait l'incroyable Hulk en blanc. Ah oui, là il a la rage, hein. Visiblement il a arraché son maillot cette fois-ci. Donc pour Lex Luger, bon, il n'y a pas l'arrachage de t-shirt pour Lex Luger. Non, je crois que de toute façon c'est pas c'est pas vraiment son fort à lui. Alors nous allons prendre le Cranium Kick, le Pal Driver et puis une petite prise de soumission, on va prendre le Boston Crab. Et encore là, c'est que des prises qui existent vraiment. Oui. Avec les vrais. Et voilà, c'est là où le bas blesse. Donc là, faut voir qu'on est en 1989. Voilà. On est pratiquement au même moment que WrestleMania Challenge et que Tecmo Pro Wrestling. Et c'est moche. C'est très moche. C'est moche. Je dirais pas que c'est de l'Atari, mais on en est pas loin. Regardez ce coup de pied ridicule. Et ce coup de pied, son coup de poing sont les deux seuls coups possibles, hormis quelques prises. Voilà.
Voilà, c'est on se place ici, coup de pied. Et on peut pas faire de prise en se touchant comme ça. Voilà, pour faire des prises, il faut enchaîner plusieurs coups de pied d'affilée qui fatigueront votre adversaire, qui vous permettra de faire une prise. Voilà. Et là, je peux faire ma prise. Eh oui, c'est vraiment lamentable. Et puis l'arbitre, on qui apparaît, de, je ne sais où. Donc voilà, en gros, les combats ressemblent à ça. Des combats de petites filles qui donnent des coups de pied. Exactement. C'est un peu pathétique. Voilà. Bon, après, bon, ce truc qui est bien. Ils ont gardé la foule, mais elle est horrible. Ah oui, là, c'est... C'est des ronds. C'est des morceaux, c'est des tomates, des concombres, c'est tout ce qu'on veut. C'est une pizza géante derrière. La foule est plus moche que sur Pro Wrestling qui est sorti 3 ans avant. C'est vraiment... Au niveau des personnages, on la reconnaît à un peu près. Oui, c'est vrai que... Au niveau du visage, mais au niveau de la tenue, c'est pas ça du tout. Non, pas du tout. Je crois qu'ils sont tous habillés par le même... voilà, la même façon. Donc là, j'ai fait... Allez, voyez Lex Luger qui court. Ah oui, c'est Lex Luger. Enfin, je crois que t'avais Michael Hayes. Ah non, c'est Lex Luger. Finalement, on la reconnaît pas si bien que ça. Ah non, vous voyez, c'est... Thèse et antithèse par... Ah ouais, là, c'est... Ah oui, alors là, c'est une prise... Une des 4 prises qu'on peut faire dans le jeu. Bon, allez, bon, là, je vais te laisser gagner parce que c'est une souffrance pour les yeux, donc pour les oreilles aussi. C'est une vraie souffrance, quoi. C'est... Yeah. C'est... Et voilà, vous voyez, Sting. Alors, c'est très mauvais, Sting. Hein. Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ah, je sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais là, on dirait le chanteur, là, pour le coup. Allez, c'est parti. Donc là, vous dites, mais c'est un mode de joueur, mais où sont les autres? Bah, ils sont là, regardez, à gauche. Ah ouais. Cette espèce de mannequin, le toit il doit être là-haut, tiens, ah non. Eh oui, les Road Warriors qui étaient en bleu, hein. Ah. Voilà, ah. Donc là, sur une simple pression de la touche, on peut faire son changement. Ah, est-ce qu'ils courent, les personnages? Ah oui, regardez, vous voyez. Oh là là, l'animation. Ah là là, le saut chassé qui, visiblement, est aussi bas que les coups de pied. Donc là, moi, vous vous souvenez tout à l'heure du design de Lex Luger? Oui. Regardez celui de Ric Flair. Ah oui. C'est la même chose. Exactement la même chose, Ric Flair qui loupe, qui lutte en collant en jaune, c'est bien connu. Et alors il a usé des bronzages au niveau des cuisses, ça doit être quelque chose comme ça. Donc voilà, on va se mettre des coups de pied, etc. qui ne touche pas, donc on va essayer des coups de poing, voilà. C'est ça là, tout très principe. Très mauvais. Et voilà, oh là 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 là, voilà. Oh là 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 là, c'est puissant ça. Et donc là, donc pas de commentateur comme sur Tekken Pro Wrestling, pas de séquence animée. Intervention de notre de ton coéquipier. Ah bon? Ah oui. Oh là, Ric Flair, un bon kick. Oui. Donc là, je peux toujours essayer de faire la prise en 4, il n'y a pas de finishing move dans celui-là. J'adore les courses, là. Et un bâton, un vrai bâton, là. Ah, et les animations d'un fer à repasser au mouvement, c'est assez... On peut pas faire de prise à terre, on peut pas frapper à terre. C'est vraiment... Très non, c'est pas très limite, c'est très mauvais. Ah, mais le seul point positif qu'on peut dire, c'est que les musiques sont vraiment, comment dire, mais non, finalement, horrible. Non, même pas. Donc, finalement, même pas. Y a rien qui sauve. Oh là là là. Bah, bon, voilà, l'animation de certains mouvements est passable. Bah, j'ai un peu passé parce que. Donc voilà, donc là, j'ai réussi à monter sur les cordes. Vous voyez, ça fait un petit changement de vue. Ah oui, c'est pas mal, c'est recherché. Hein. Voilà, c'est un des points positifs. Là, ton coéquipier qui est apparu. Ils apparaissent comme ça. Vous voyez Sting qui était... Avec son... bien sûr, son... Il a un petit côté glacier, je trouve. Ouais, effectivement. Effectivement, pour ceux qui se rappellent du glacier. Là, tu fais la prise du Maki. Et voilà, encore une fois, ton coéquipier qui intervient. Qui est arrivé comme Batman. Oui, exactement. En sautant du plafond. C'est un peu... Et qui m'a sauvé. Le lutteur mystère. Donc voilà, 2-3 bonnes idées noyées dans un flot de médiocrité. Oui. C'est un peu ça, ce jeu. La WCW, c'était visiblement... Ils étaient pas prêts. Ils étaient pas prêts, là. Ils étaient pas prêts. Bon, je te laisse ouvrir pour la balle de la note. Alors, bah, là... Là, franchement... pas trop envie d'être méchant, on va lui mettre un petit 6. Moi je partais sur un 8. Allons, mixons de notes et mettons du 7. Voilà, on va mettre un 7 parce que bon... 7 sur 20, parce que c'est au niveau du contenu, il y a mieux. Oui. Graphiquement, il y a mieux. Au niveau de la musique, il y a mieux. Bref, il y a mieux surtout. Il y a mieux surtout. Et il y a pratiquement pas pire sur la je pense pas. Donc mon avis, si, je crois qu'il y a pire. On va voir justement, on va ouvrir. Ah oui, vous allez voir, il y a pire. On va enchaîner. Allez. Donc on enchaîne. Donc voilà, le monde du jeu vidéo était pavé de bonnes intentions. Au niveau du jeu de catch, voici maintenant ce qu'on va appeler les vaches maigres. Un éditeur qui s'appelle LJN.
ça va être la traversée du désert pour tous les joueurs de jeux de catch et de jeux vidéo. Et oui, tout à fait. Parce que LJN. Voilà une licence qui a été reprise, on se demande pourquoi. Et en fait, pendant des années et des années, ça sera le même principe, voilà. Même leader. LJN qui va faire des jeux de catch pendant 5-6 ans. Oui, sur plusieurs consoles, donc la Nintendo, Super Nintendo et Mega Drive. Mais bon, c'était pas que mauvais en jeu de cash, j'étais vraiment mauvais en tout, LGN. Ah, oui, dans le contexte, c'est vraiment un développeur très très mauvais. Mais bon, allons-y pour ce WrestleMania Steel Cage Challenge. Voilà. Donc un pour se battre dans des cages. Donc nous allons commencer player contre player pour introduire un peu le roster. Il n'y aura pas grand chose à dire, je peux vous le dire, à part l'extrême médiocrité, mais ça vous allez le voir. Déjà, on commence par le choix des lutteurs, donc toujours Hogan. L'Undertaker qui faisait son apparition. Jack the Snake Roberts. Et son serpent. Ted DiBiase qui nous revient peut-être moins jobber, mais bon, toujours aussi moche. Randy Savage, toujours mon préféré. Alors celui-là, je le connais pas trop. Un des meilleurs lutteurs qui a pu exister, Bret Hart. Ah oui, Bret Hart, oui. Sid Justice, notre fameux Sid Justice, alias Sid Vicious. Roddy Piper. Qui fait son entrée lui aussi. Oui. IRS. Inspecteur des impôts. Le Monty. Le Monty. Très cher à nos Québécois, puisque donc, c'est Monsieur Jacques Rougeau. Exactement, donc 10 persos. Donc 10 là, persos. Ça reste correct. Oui, ça reste correct. C'est un des seuls points positifs. Donc moi, je vais prendre Bret Hart. Alors, je ne vois pas qui vous avez pris, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'on va prendre, pour le calmer, on va prendre un petit Undertaker. Bon, ah. Chose sympathique, il y a des petites introductions. Et Howard Finkel. Qui fait son apparition aussi. Donc là, pour le moment, quand tu vois que ça du jeu, tu dis que c'est pas mal. Oui, on est même content que Howard Finkel nous fasse les présentations. Voilà, les vraies musiques, un roster correct. Voilà. Mais déjà, là, ça se gâte. Voilà, nous ne sommes pas sur la version Game Boy, mais la version NES. Donc on reconnaît l'Undertaker, qui n'a pas de bouche, qui n'a rien du tout. Il est rouquin, enfin on se demande. Je sais pas, c'est bizarre. Quant à ton personnage, je te laisse introduire toi-même. Hein. Non, bah Bret Hart, t'es pas trop. On le reconnaît quand même. On le reconnaît quand même avec ses collants roses. Ouais, toujours avec votre penchant sur le rose, oui. Donc, un truc qui frappe, il n'y a pas de musique. Non. Et il y a un public, visiblement. On a l'air de. Public, enfin, il y a des bouts de public. Donc là, j'ai choisi le mode cage pour vous le faire voir. Que peut apporter un mode cage ? Eh ben, on va vous le faire voir. Déjà, on va vous faire voir comment fonctionne le jeu. Voilà, vous voyez, les collisions des lutteurs. Voilà, des coups de poing, des slams, des coups de poing, des slams et des coups de poing. Voilà, pendant que vous dormez, moi je peux monter dans la cage et en fait le but c'est de sortir de la cage. Et voilà, regardez le fun, on vous laisse écouter le fun du jeu. Palpitant, non ? Oui, palpitant. Je dirais même que c'est une minute de silence qu'on a fait. Bon, là je vous autorise à monter sur la cage. Car il faut savoir qu'il essaie de se relever, mais pour se relever, ça prend à peu près. Ça prend au moins. Ça prend 2-3 minutes, montre en main. Oui. Oui, oui. Donc l'adversaire a tout le temps de monter sur la cage et de gagner le match. Et le public est très content, il a vu un match palpitant. C'était. Exceptionnel. Voilà, donc c'est une vraie torture pour moi. On va continuer de te torturer et montrer le mode par équipe. Ah. Donc, allez, fais tenter le Roddy Piper. Alors, Roddy Piper, je le verrais bien, lui, avec... On va le mettre avec Hogan. Avec Hogan, oui. Enfin, avec ou contre, on sait jamais trop... Non, c'est avec, là. C'est avec, ok. C'est moi qui choisis, oui, en fait, c'est toi contre moi en équipe. Bon, j'ai pris des bons, tu sais bien que tu prends une équipe de Machoman. Bah, peut-être Macho King à cette époque-là, 92. Oui. Je suis sorti en 92, donc ça va être Macho King. Je pense pas, puisque visiblement Jack le Snake Roberts c'était heel, ce qui veut dire que Machoman était face. C'est vrai. Donc on va quand même prendre les deux frères. Allez. Enfin, ils sont pas frères, mais bon. Donc nos personnages ont été. Les personnages coéquipiers ont été pétrifiés. On corrait des pierres. C'est des statues. Voilà, donc on a un peu retourné l'âge de pierre. Hein. Voilà. Voilà, Macho Man qui monte sur les cordes. Alors, comme vous voyez, je suis toujours aussi bon. Mais là, je ne vois pas du tout comment on peut manier de tels personnages. Ouais, faut dire que la maniabilité, c'est vraiment taillé à la hache. Et pour peu qu'on arrive à manier les trois coups qu'il y a, donc voilà, c'est tout le jeu. Et il n'y a pas de coup. Du moment que tu chopes l'adversaire, c'est un... soit un coup de boule ou un slam. Ce qui est malheureux, voilà. C'est que ça sera le même principe pour pas mal de jeux. Ouais, sur Super Nintendo, les jeux sont pratiquement identiques. Donc voilà, on peut sortir du ring, c'est...
c'est un bon point, mais ça, c'est devenu presque classique maintenant. Ah, là, on voit le public, là. Hein, mais le public, c'est des zombies. Ils sont gris. c'est des rouquins gris. J'ai rien contre les rouquins, mais là, c'est encore des rouquins qui apparaissent. Je suis désolé. Ah, mais c'est comme ça, ils avaient un petit faible. On sait très bien que les rouquins sont vraiment des fans de lutte. Hein. Donc là, j'ai fait le changement avec Piper. Bon, pour changer, c'est assez facile. Il faut être à côté de son personnage et appuyer sur le bouton B. Mais voilà, c'est les coups sont les mêmes. Voilà, le coup de tête, le coup de pied, l'enfourchement. Voilà. Une petite descente du coude. Ah non, voilà, vous voyez. C'est une nouvelle danse, c'est la danse de l'été. Et là, il faut savoir qu'il me touche pas. Oui. La perspective est tellement mauvaise que tu me touches pas. Ah. Mais là, on est sur NES, on est en 92. Je sais pas si vous voyez. Vous avez vu ce saut là ? 92, c'est pratiquement la fin de vie de la Nintendo et on prend des jeux comme ça. Et c'était la meilleure période de la WWF, enfin, ouais. À mon sens. Et donc, je trouve ça vraiment honteux de sortir un jeu d'une qualité aussi mauvaise en 92. Oui, c'est même un attrape-nigo, ça, faut pas avoir peur des mots. Hein, Pro Wrestling, sorti 6 ans avant, est largement supérieur. Exactement. Donc, musique, il n'y en a pas. Non, aucune. Graphiquement, c'est faible. Oui. Au niveau des coups, c'est inexistant. C'est du basique, c'est même, il y en a de moins en moins et on prend vraiment pas de plaisir à jouer. C'est très peu maniable. Oui. Donc on va pas s'attarder sur ce jeu parce qu'il n'y a vraiment rien à en dire, si ce n'est que moi je lui mettrais 4 sur 20. Bah oui, 4 sur 20 aussi. Voilà, 4 sur 20. Et encore, c'est parce qu'il y a des lutteurs qu'on aime, c'est tout. Il n'y a que ça qui sauve. Voilà, 4 sur 20 parce qu'on est fan de 4. Je pense que quelqu'un qui n'est pas fan de 4, je lui mets 1. Ah, totalement. Je crois que ça vaut toutes les daubes qu'on a pu voir. Mais un truc qui est marrant, c'est que quand tu vois ça, tu dis que tu peux pas tomber plus bas, et pourtant tu peux être au moins au même niveau, et ça, on va le voir tout de suite. Eh oui.